Téléphonique. Oui, bonsoir, M. Dallet. Bonsoir, M. Pierre. Vous allez bien? Oui. Bon, j'avais une question à vous poser qui me fatigue pas mal. Sur le quoi? Une question qui m'embête pas mal. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qui fait d'un individu dans la vie? C'est un winner ou un loser? Parce que moi, je me considère comme un loser. Bon, d'abord, des gagnants dans la vie, il n'y en a pas beaucoup. Puis, un gagnant dans la vie, c'est peut-être pas nécessairement ce que vous pensez. C'est pas nécessairement... écoutez, je vais vous expliquer tout ça parce que il faut s'en aller aux nouvelles. C'est pour nouvelles. On s'en va à la pause, une pause, moi. On me fait signe que... est-ce que j'ai le temps de parler un petit peu avec le monsieur? Hein? Bon, on pourra continuer après parce que ça va être assez long. Alors, êtes-vous toujours là? Oui, oui. Bon, alors, devenir gagnant, voyez-vous, ça dépend dans quel domaine vous voulez, quand vous dites « je suis un loser, un perdant ». Dans quel domaine? Dans votre vie? Dans vos affaires? Dans tout. Dans tout. Ah! Qu'est-ce que vous... Qu'est-ce que ça serait pour vous? Ben là, dernièrement, j'ai perdu mon emploi. J'ai passé à travers un divorce. Je vous avais de rien. Mm-hmm. Bon, êtes-vous un homme en paix, ou avez-vous-même? Ben, je crois que oui. De dire intérieurement. Vous, intérieurement, êtes-vous un homme en paix? Pas bien, bien, c'est ça. Pas bien dans ma peau. Pas bien dans votre peau. Bon. Est-ce que vous pardonnez facilement, ou? Moi, je suis pas rancunier. Pas rancunier. Êtes-vous agressif quand ça va pas bien? Oui. Beaucoup? Oui, je dirais que oui. Puis, est-ce que vous connaissez souvent la mise au pied du mur? Pardon? Est-ce que ça vous arrive souvent d'être au pied du mur? Vous savez, vous connaissez l'expression « être au pied du mur ». Oui, je connais ça. Dans quel sens, un exemple? Ben, que ce soit au travail ou sur le plan financier ou... Ben oui. Bon, c'est ça que vous voulez. Donc, vous êtes perdant un peu dans tout. Ben oui. Bon, quelle sorte... Mais êtes-vous confiant pour l'avenir? Avez-vous une bonne attitude ou une mauvaise attitude? Ben, je suis optimiste. Je me dis que... Ah, c'est pas pire, ça, si vous êtes optimiste. Bon, ben, je vais tout vous expliquer ça, si vous voulez rester avec nous, tout de suite après le bulletin de nouvelles, là. On va essayer de prendre un peu de temps pour savoir quelle différence il y a entre un perdant et un gagnant, puis si c'est possible pour vous de devenir un gagnant. Restez là et je vous reviens dans quelques minutes. J'ai trop d'espoir. Oui. Ben, regardez bien, là. Premièrement, pour être gagnant dans la vie, il faut découvrir ce qu'on veut vraiment au départ. Bon. Et puis il faut aussi connaître son authenticité. Pas vouloir être gagnant pour faire comme l'autre. Je pense que l'essentiel, c'est la connaissance de soi-même, de connaître qui vous êtes, et puis à ce moment-là, qu'est-ce que vous attendez de la vie, qu'est-ce que vous voulez exactement. Puis là, vous allez trouver des outils qui vont vous permettre de mieux vous connaître. Ça commence par la connaissance de soi. Ça, je vous le dis, là. Si vous ne commencez pas par la connaissance de soi, oubliez ça. Les véritables gagnants, ce sont... Bon, prenez un moine, par exemple, dans un monastère, lui, il n'a rien gagné, il fait rien que prier. Mais c'est un gagnant parce que, voyez-vous, il se connaissait. Alors, ce qu'il a choisi, j'écoutais justement à Radio-Canada, cet après-midi, à Second Regard. C'est drôle qu'on parle de ça entre nous deux ce soir, mais j'écoutais des religieuses parler à l'émission Second Regard des Carmélites. Ils avaient du plaisir, ils avaient un pique-nique. Après ça, c'était tout le côté sérieux. Dans le monastère, de la prière, la vie sévère, difficile. Mais ça, ces femmes-là se sont présentées à la télévision cet après-midi à Second Regard comme des gagnantes. Et non pas des perdantes. Mais pour d'autres, peut-être pour vous, pour moi, vivre comme ça, nous, on serait des grands perdants. Donc, leur connaissance, ils connaissaient leur moi authentique. Elles étaient épanouies dans leur vie de carmélite. Alors, c'est la même chose pour vous. Il faut d'abord commencer par la connaissance de vous-même. Puis après ça, vous allez être capable d'atteindre le succès. Le bonheur dans la vie, c'est par l'action. C'est par les choix. Bon. Les décisions, ça, il y a une différence entre une décision et un choix. Une décision, il faut justifier, il faut se poser des questions, mais pas un choix. Une fois que la décision est prise, on fait le choix. Un choix fort, comme si toute sa vie en dépendait. Alors, pour une vie de réussite, il faut
faire des choix, puis faire des choix forts. Si vous êtes inactif, vous restez là à rien faire, en attendant que ça vienne, ben, vous allez être bien déçu. L'indécision, c'est l'ennemi. Les grands perdants de la vie, aujourd'hui, tous les hommes d'affaires, les gens qui ont réussi, que ce soit dans le show business, ça c'est à la mode actuellement, sont des gens qui ont fait des choix forts. C'est des gens audacieux, qui n'ont pas eu peur. Ils ont agi, c'est l'action. L'action, c'est une loi cosmique, ça. Défonceux. Oui. Si vous ne faites pas ça, vous allez toujours être un perdant. La réussite, c'est d'être en action, c'est de viser, c'est de visualiser, c'est de désirer. Ça fait toute partie de la dimension, ça, du succès. Avoir confiance en soi-même. Ça, c'est numéro un. C'est la première chose. C'est pas confiance en, avoir confiance en vous. Des fois, on n'a pas toujours confiance en nous. Moi, je pense que... Y a des gens qui ont peur de la réussite. J'espère que vous savez ça. Il y a du monde, là, qui ont peur du succès. Saviez-vous ça? Non. Oui, puis c'est une peur qui est normale, ça. Parce que le succès, ça implique toujours un changement, ça. Parce que j'ai beaucoup de capacités. Puis n'oubliez pas que le changement pour un être humain, là, c'est quelque chose d'effrayant, ça. Avez-vous déjà pensé à ça, vous, demain, là? Vous, vous êtes pauvre, vous devenez riche, là. Ah, c'est tout un changement de vie, ça. Ah, ça, je sais. C'est tout un changement de vie. Il y en a qui capotent là-dedans, là. C'est pour ça que c'est plus difficile. C'est plus difficile de vouloir devenir gagnant que de devenir perdant, parce que t'as rien à changer d'être perdant. Alors, pour être gagnant, il faut accepter que notre vie va changer. Ça fait pas partie du karma, ça, hein? Non, pas du tout. Ah ben non, absolument pas. C'est tellement niaiseux, ce karma. Ah oui? Bon, voyons donc. Voyons donc, la vie, c'est des choix. Voyons, ouais, si on a un destin tracé d'avance, ça n'a pas de bon sens. À ce moment-là, j'ai plus d'affaires à vous parler. C'est tracé d'avance qu'on va se dire. C'est ridicule. C'est anti-philosophique, ça. Quelqu'un qui a fait un peu de philosophie, il va ridiculiser ça tout de suite, le karma. Non, non, tu perds ton libre arbitre, t'as plus d'arbitre, c'est plus vous. On se parle pas, là, tous les deux, là. Oui. C'est le karma. Ah, c'est plus vous, c'est plus moi. Ça n'a aucun sens, ça. Oubliez ça tout de suite, là. Là, vous allez être un vrai perdant, là, avec ça, le karma. OK. Non, non. C'est d'avoir des buts, puis aller jusqu'au bout. C'est parce qu'on attend toujours des réponses, au lieu d'en chercher. C'est ça, le problème. Mais c'est pas tout le monde. Encore une fois, c'est l'identification de ses besoins. L'authenticité, se connaître soi-même. Être gagnant pour vous, ça peut être aussi ne pas réussir dans rien, mais être bien. Ça peut être ça aussi. Absolument, monsieur, ça peut être ça. Dis, moi, je suis bien, je suis détaché, j'ai besoin de rien. Ça peut être ça. Comme les carmélites, pensez toujours aux carmélites de cet après-midi. Des personnes totalement détachées, ils sont très, très bien. Les gagnants. Et bonne chance. Pensez à tout ça pour ce soir, c'est assez, là. Pensez juste un petit peu à ça, l'identification de vos besoins. Puis après ça, le reste va venir. Merci beaucoup. Trouvez votre moi authentique, mon cher. Trouvez votre moi authentique. Bonne chance.